Bienvenue dans cette leçon du bâton Kaiyuan du Taiji. Je m'appelle Heike, je suis allemande. J'étudie le bâton du Taiji en Chine. Mon nom est Samuel. Je suis français. J'étudie le Wushu en Chine. Je suis très heureux d'apprendre le bâton court du Taiji avec vous. Chers amis téléspectateurs, bonjour à tous. Je suis Rongkang Hui. Nous allons continuer notre apprentissage. J'espère que vous avez bien retenu les mouvements précédents. Révisons ensemble. Voilà pour les révisions. Voyons maintenant les nouveaux mouvements de la leçon d'aujourd'hui. Tout d'abord, regardez la démonstration. Aujourd'hui, nous verrons les techniques de basse suivantes. Pas inséré. Position du pas vide. Piqué avec le bâton. La vague fait un reflux. On part du dernier mouvement, Erlang se précipite dans la montagne, en position. Avancez la jambe gauche, fouettez vers le haut derrière vous. Tournez ensuite le buste vers la droite et frappez vers le bas. Allez-y. Bien, revenez en avançant. Refaites le mouvement avec moi. Veillez bien au mouvement des bras et aux techniques de bâton. Encore une fois, regardez bien les déplacements. Une nouvelle fois. La fée danse avec l'épée. On part du dernier mouvement, la vague fait un reflux. En position. Avancez la jambe droite, puis fouettez vers le haut.
Déplacez la jambe droite vers l'avant, puis le bâton fait un arc de cercle devant le buste pour fouetter vers le haut en alternance. 1, 2, 3, 4, 5. Avancez. 6, 7, 8. Cessez. Refaites le mouvement avec moi. Regardez bien le mouvement des bras. Encore une fois, regardez bien les déplacements. Encore une fois. Le sabre rentre dans son fourreau. On part du dernier mouvement, la fée danse avec l'épée, en position. Faites un blocage haut, puis piquez vers le bas. Allez-y. Dans le même temps, faites un pas inséré en plaçant la jambe droite derrière. Bien, cessez. Refaites le mouvement avec moi. Encore une fois, en vue opposée. Refaisons-le ensemble. Je voudrais maintenant mettre l'accent sur certains points importants et difficiles. Soyez attentifs. Stop. Samo, lorsque tu fouettes vers le haut, il ne faut pas le faire trop haut. Un peu plus bas. Bien, encore une fois.
voyons maintenant ensemble les mouvements que nous avons vus aujourd'hui. Faites attention à bien coordonner les mouvements et les déplacements. Réalisons ensemble une nouvelle fois. La vague fait un reflet. La fée danse avec l'épée. Le sabre rentre dans son filet. Chers amis téléspectateurs, il y avait beaucoup de difficultés aujourd'hui. Pratiquez encore plus. À la prochaine fois. Au revoir.